Madame, Monsieur, vous êtes appelé à élire du 20 octobre au 2 novembre vos représentants dans votre chambre de commerce et d'industrie. Pour voter par voie électronique, la procédure est simple, rapide et sécurisée. Mon rôle est de vous l'expliquer en quelques mots. Tout d'abord, munissez-vous du courrier que vous avez reçu, vous indiquant comment voter. Pour accéder au site de vote, tapez l'adresse https://jevote.cci.fr ou l'adresse spécifique à votre CCI figurant sur le courrier que vous avez reçu. La page d'accueil du site vous rappelle les dates du scrutin. Elle vous donne accès à une assistance en ligne. Saisissez l'identifiant de vote figurant sur votre courrier, puis saisissez votre date de naissance. Vous accédez maintenant au scrutin qui vous concerne. Cette page vous présente les différents groupements de candidats ou les candidats hors groupement qui se présentent à ce scrutin. Vous pouvez consulter les professions de foi des candidats ou de leur groupement. Faites votre choix parmi les candidats ou les groupements dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Puis, cliquez sur « Continuer ». Vous devez maintenant faire apparaître votre code confidentiel en grattant sur votre courrier la zone argentée qui le protège. Saisissez ce code confidentiel, puis cliquez sur « Voter ». Une fois votre vote enregistré, vous accédez à une page vous permettant de disposer d'un accusé de réception confirmant que votre vote a bien été pris en compte dans l'urne électronique. Vous pouvez maintenant télécharger cet accusé de réception, l'imprimer et ou demander son envoi par mail en saisissant votre adresse de messagerie dans le champ « E-mail ». Vous pouvez maintenant vous déconnecter. Si vous disposez de plusieurs courriers et donc de plusieurs droits de vote, recommencez l'opération avec le courrier suivant. Les résultats des élections seront disponibles sur le site internet de votre CCI dès le 10 novembre. Merci d'avoir participé à l'élection de vos représentants à votre chambre de commerce et d'industrie.